Bonjour à tous. Aujourd'hui, on voulait vous souhaiter une très bonne année 2021 et revenir avec vous sur tous les événements marquants depuis notre lancement il y a 2 mois. On vous laisse tout de suite avec la vidéo. À bientôt. Nous avons commencé l'année en partant à la rencontre d'Isabelle, la fondatrice d'Isala, une marque de produits éco-responsables pour la maison. Puis, direction Montpellier, où nous partons à la rencontre de nouveaux artisans pour un nouveau tour des échoppes. Nous commençons par une première étape sur l'usine d'Eminence, une marque de sous-vêtements fabriquée en France. Puis, direction Béziers, où nous avons rencontré Camille, qui nous a présenté Le Petit Béret, une marque de boissons sans alcool et bio. Nous avons également pu découvrir Toshiko, une créatrice de bijoux, qui nous a accueillis dans sa boutique et nous a montré son atelier. Puis, nous avons découvert le concept Clip It, des jeux de construction éco-responsables en plastique recyclé. De retour à Paris, nous sommes allés à Bastille rencontrer Véronique, la créatrice de Hedonist, une jeune marque de casquettes. Laure et Christian nous ont présenté Tiki Taki, une marque de papeterie pour enfants. Enfin, nous avons fini l'année avec la marque de bière Coco Miette. Nous avons visité la brasserie puis dégusté ses bières. De la part de toute l'équipe Les Échoppes, on vous souhaite une excellente année 2021.